Ça doit durer combien de temps une intro normalement? Je sais pas. 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Je sais pas. Y'a des codes pour ça ou quoi? Tu crois qu'il y a un code? Non, y'a pas de code. Oh, je sais pas. On fait un album où tu parles dans ma tête comme on avait déjà essayé de faire mais qu'on n'avait pas fait. Enfin, si on l'avait fait, mais on l'avait pas fait. Enfin, ouais. Non, bon, je sais pas qui c'est qui parle dans ma tête. Il y a tellement de monde dans ma tête. Il y a des matins, j'ai l'impression qu'il y a toute une planète. Je ne suis pas un grand fan. Putain, j'ai pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Je ne suis pas un grand fan des manifestations, même les plus belles fleurs fanes. Tout est question de saison, je préfère construire des cabanes. À chacun sa révolution, faut pas me prendre pour un âne. J'en connais la définition, au cas où tu l'es pas en tête. Attends un peu, ça se complique, c'est en regardant les planètes que tout s'explique. Un petit tour sur soi-même, faire le tour du problème, c'est du pareil au même. Alors qu'il suffirait qu'on s'aime. Changer le monde sans se changer soi-même. Et quand le tonnerre bon, c'est comme un requiem qui me fait me souvenir que rien n'est éternel. On ne peut prédire l'avenir. Ce qui rend la vie belle sous la pluie ou le soleil, la vie c'est toujours pareil. Ah, toujours pareil. Oh merde, j'ai toujours pas dit bonjour. Bonjour. Parfois on a de la peine, il arrive qu'on ait la haine. Mais si on se dit bonjour, c'est qu'il reste un peu d'amour. Je te dis un peu d'amour. Parfois on a de la peine, il arrive qu'on ait la haine. Mais si on se dit bonjour, c'est qu'il reste un peu d'amour. Reste-t-il un peu d'amour? Un peu d'amour. Reste-t-il un peu d'amour? Un peu d'amour. Reste-t-il un peu d'amour? Comment j'appelle? Ah bah oui, je suis con, si t'écoutes le disque ou si t'es dans ma tête, tu sais comment j'appelle. Du coup, je passe dans la terre, celle-là, non? Bah ouais, j'ai pas besoin de la faire, je suis con. Bah la chanson où je dis comment je m'appelle, c'est pas à peine. Parce que si c'est sur internet, bah t'as déjà mon nom, et si tu l'as en disque, t'as déjà mon nom. C'est... Bah ouais, j'ai pas besoin de dire comment je m'appelle, c'est bon, tout le monde le sait. Ouais. Et si je suis numéro 1 sur Google, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. À Colin,
marin qui fait Koh-Lanta. Tu crois qu'il va se noyer ? Tu sais qu'il faudrait que je pense avant de faire l'album à quelle chanson je fais, dans quel ordre, tu vois. C'est le... Ah, tu fais des transitions. En fait, c'est un album de batterie avec des chansons à moi au milieu. Ça, c'était le prélude à la soucoupe volante. Dans une soucoupe volante, à nos enfants on dira. Le jour où on partira, dans une soucoupe volante, à nos enfants on dira. La planète était devenue méchante. Elle n'était plus notre amie, l'eau poussait des tsunamis. Elle crachait les tempêtes, n'en faisait plus qu'à sa tête. Elle ne voulait plus de nous, avait rendu le climat fou. On ne se sentait plus chez nous, alors on s'est dit on s'en fout. On s'est mis dans la tête de construire un vaisseau spatial et de chercher une planète qui ne nous voudrait pas de mal. Le jour où on partira, on partira dans une soucoupe volante, à nos enfants on dira. La planète était devenue méchante. Le jour où on partira dans une soucoupe volante, à nos enfants on dira. La planète est devenue méchante. Alors on s'est mis au travail, alors on s'est mis au travail, accumulant les ressources, courage dans la bataille, jusqu'à vider la dernière source. Un jour il n'y a plus rien nu, on n'était plus très nombreux non plus. C'est là qu'on a décidé de faire décoller la fusée. Voilà ce qui se passe, la situation nous dépasse. On est perdu dans l'espace, qu'auriez-vous fait à notre place? On est perdu dans l'espace. Le jour où on partira dans une soucoupe volante. Le jour où on partira, à nos enfants on dira. Le jour où on partira dans une soucoupe volante, à nos enfants on dira. La planète est devenue méchante, la planète est devenue méchante, la planète est devenue méchante. Ça, c'est une fin, tu vois. Non, parce que les mecs, ça fait 15 ans qu'ils répètent quand même. Ouais, c'est le métier, tu vois. Il y a les professionnels et il y a les autres. Ça, on n'en parle pas. Ça non plus, il y a des sujets tabous. Ça, on n'en parle pas. Ah, ça, on peut en parler. Vu l'heure qu'il est, on peut en parler. Parce que c'est bien, cet ordinateur qui nous enregistre, il n'a pas Internet. Du coup, il ne sait pas que nous avons changé d'heure. Et heureusement, parce que sinon, je serais en train de dire « Oh putain, la merde, il est super tard !» Alors que là, je me dis « Ça va. » Ouais. À quoi qu'il sait peut-être, il est quelle heure en vrai ? Peut-être. Je sais pas. Je suis pas sûr. Ah si, il a changé d'heure tout seul. Comme quoi on n'a pas toujours besoin d'Internet.
Pareil, chacun fait de son mieux pour devenir heureux. Les dépêchés et les vieux, les têtes et les peureux. Pour devenir meilleur, tout est question de cœur et d'assumer sans faire ses faux pas et ses erreurs. Habitués à pousser le sol, gros ou pas à l'alcool, rêvant qu'un jour on décolle. Dès le réveil, on s'y colle, génération sur le sort. Ah, c'est sportif la musique. Non. Mais c'est toi que t'es parti à ce tempo, alors moi je subis, tu vois. Quand on sort dehors, prend la vie à bras le corps, peut-on décider de son sort? On tombe et se relève encore. On tombe et se relève encore. Génération sur ressort, quand on sort dehors, prend la vie à bras le corps, peut-on décider de son sort? On tombe et se relève encore. On tombe et se relève encore. Et... le batteur qui est dans ma tête est complètement fou. Le mec il change de son de batterie en milieu de morceau, tranquille, il s'en bat les couilles. Et moi je fais n'importe quoi dans les accords. S'en bat les couilles. Vas-y, on va faire un truc genre comme si on est des pros, tu me regardes. Quelle que soit l'heure, tout le jour on se lève, le train. Quelle que soit l'heure, tout le jour on se lève, le travail ne nous fait pas peur, y'a pas d'intérêt, mais en grève, on court après le bonheur, il paraît que la vie est brève, cultivons la bonne humeur sur le chemin de nos rêves, cicatrices et points de suture, tendinite et combature, pompe, passion, réflexion et méditation, si la vie est un combat, c'est un combat contre soi, un combat contre l'inertie, incitant à rester assis, la vie c'est violent comme un hypercute à la boxe, alors on serre les dents comme un drogué en désintox, on aime bien quand on nous ment, info ou intox, à quoi servirait autrement le silicone et le botox, génération sur ressort. On aime bien quand on nous ment, info ou intox, à quoi servirait autrement le silicone et le botox, génération sur ressort. Génération sur ressort, quand on sort dehors, prend la vie à bras le corps, peut-on décider de son sort? On tombe et se relève encore. On tombe et se relève encore. Et ça, c'était une fin bizarre. De toute façon, si on arrive un jour à faire cet album, il sera bizarre. De toute façon, quoi qu'on fasse, ce sera une escroquerie. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Que certains aient envie de...
de se mettre à l'envers pour se sentir en vie ou de pisser sur les murs. Dès que tombe la nuit, avec des bombes de peinture pour tuer l'ennui, des couleurs de couleurs au milieu de tout ce bruit, ça fait. Violence cette grosse caisse. Enfin, elle est violente cette grosse caisse. Vous êtes pas prêts. J'étais pas prêt, mais je sais pas si les gens étaient prêts non plus. Ouais. Je suis pas vraiment une crapule. Pas un peu quand même. Prohibition, c'est à la base des problèmes. La répression n'engendre que ce qu'elle sème. Désolé si j'ai la haine, mais j'ai de la peine ce matin. Ça ne sert à rien qu'on se plaigne, mais mon cœur saigne, il a du chagrin. J'écrirai l'amour sur les murs, à la peinture, même si c'est illégal, même si c'est illégal. Certains se calment à la verdure, et même les drogues dures devraient être légales, devraient être légales. Des grosses caisses comme ça.
chiant, même si le mien n'écoute rien. Même si le mien n'écoute rien, il faut aussi un marteau et l'amour comme épée. Voici tout ce qu'il nous faut pour être gardien de la paix. Il faut aussi un marteau et l'amour comme épée. Voici tout ce qu'il nous faut pour être gardien de la paix. Soyons les gardiens de la paix. Soyons les gardiens de la paix. Fais-toi ta caisse à outils pour pouvoir faire face aux soucis, ou bien dépanner un ami. C'est en nous donc qu'on s'enrichit. Un marteau et l'amour comme épée. Voici tout ce qu'il nous faut pour être gardien de la paix. Il faut aussi un marteau et l'amour comme épée. Voici tout ce qu'il nous faut pour être gardien de la paix. Soyons les gardiens. Faisons sauter les serrures. Si toutes ces clés te torturent, ouvre ta porte à l'aventure. Ouvre ta porte à l'aventure. Il faut aussi un marteau et l'amour comme épée. Vois, si tout ce qu'il nous faut pour être gardien de la paix. Il faut aussi un marteau et l'amour comme épée. Vois, c'est tout ce qu'il nous faut pour être gardien de la paix. Soyons les gardiens de la paix. Soyons les gardiens de la paix. Qu'il nous faut pour être gardien de la paix. Putain, on aurait dû trop que c'était une fin. Ça aurait fini la chanson, mais trop bien. Ouais, si on leur parlait de Momo. Ouais. Encore, j'en parle souvent. Je suis triste, j'ai perdu mon petit frère. Enfin, je l'ai pas perdu. C'est qu'il est parti loin. Il est parti à Strasbourg manger des saucisses. Pas qu'il aime particulièrement les saucisses, mais qu'il était obligé d'aller à Strasbourg. Chanson dédicacée à mon ami Desmond. Ah non, c'est quoi l'ensemble? Attends, c'est quoi? Hippodé, Desmond, Gnombleba, dit Modeste, dit Momo le prodige. C'est bon, on peut recommencer. Ah non, mais c'est un vrai africain, son nom c'est un CV. Tu sais tout de lui. C'est Modeste le prodige. La situation l'exige. Faut que je vous raconte l'histoire de Momo le prodige. C'est mon petit frère noir, bien sûr qu'il aime son pays, comme tout le reste de la planète. Savoir pourquoi il en est parti.
passeport. Y'a la douane à l'aéroport. Ce n'est pas un terroriste. Il n'a pas besoin d'alibi. Ce n'est pas un touriste. Qu'il a pris le bateau en Libye. Normal qu'ils aient de la rancune. Qu'ils viennent chez nous chercher fortune. Arrêtons de nous mentir. Nous avons fait semblant de partir. Certains disent que l'Afrique, c'est l'avenir de la France. Dites-moi qui fabrique des entropiques qui tentent leur chance. Et si t'as pas de bon visa, faut te tailler fils à fils à. Si t'as pas de bon visa, faut te tailler fils à fils à. Depuis tant qu'on squatte chez vous, vous êtes les bienvenus chez nous. Ouais, t'es le bienvenu chez moi. Puisque nos rois font chez toi, j'ai beau porter les costards. Toutes leurs histoires en la marre. Nous ne sommes que des têtards. Vivons tous dans la même art. On était quoi au départ? On était tous des têtards. On vivait tous dans la même art. On était quoi au départ? On était tous des têtards. On vivait tous, tous dans la même art. On était quoi au départ? On était tous des têtards. Quoi au départ, on était quoi au départ, dis-moi bon, on était quoi, dis-moi bon, on était quoi. Et tu crois que les tétards en eux, ils disaient, hey, toi le tétard camerounais, tu rentres chez toi, et le tétard vietnamien, ferme ta gueule et tout. Je suis pour la préférence nationale, les Français d'abord, les autres dehors. Ok, je vois bien l'idée, mais bon, j'ai juste une petite question. Jamais compris le concept des frontières. Je n'ai jamais compris comment on partage la terre. Tout petit on m'a appris qu'on était tous frères. Quand j'ai grandi, ça ne m'a pas paru si clair. J'ai appris que la vie est un grand mystère. Ça profite à qui cette violence et ces guerres? Sinon peut-être que moi aussi j'aurais des envies meurtrières. C'est pourtant bien le même sang qui coule dans nos veines. Qui peut avoir le temps de répandre la haine? On a tous une culture, on est tous différents. Qui connaît le futur? Et on était quoi avant? Ouais, on était quoi? On était quoi au départ? On était tous des têtards. On vivait tous dans la même art. On était quoi au départ? Avec le cordon de mon pull. Ah mince, je l'ai rallumé. En fait, c'est comme un interrupteur à guitare. Ah, si on changeait de son de guitare. Une chanson de saison. We'll be right back.
président, ce n'est pas un rêve d'enfant. Je voulais écrire des chansons, m'occuper de ma maison, pouvoir dire à mes enfants que la vie c'est amusant. Il paraît qu'elle est brève alors je m'accroche à ce rêve. Que tout me révolte, à chacun sa révolution. Ce qu'on fait, on le récolte, on passe ma contribution. À l'avenir de l'espèce, je ne ferai pas de prouesse. Mais la jeunesse n'empêche pas la sagesse. Je n'ai rien à prétendre, mais il me paraît sage d'essayer d'apprendre du mélange et du métissage. Travail mérite salaire, vaut mieux bosser au ministère que de vivre la galère des travailleurs intérimaires. La vie passe vite, surtout en 3-8. Les puissants m'irritent, vivant qu'on prenne leur suite. Si j'étais président, je resterais un homme. Je soumettrais mon salaire, mes idées au référendum. Dites-moi qui a raison, qui a gagné les élections. Quand on fait attention au taux d'abstention au-delà de 50%, ça devient embarrassant. Le mot victoire est indécent, et il se croit puissant. Et il se croit puissant. Retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes, mais seulement des référendums. Mais je rêve de voir. Je rêve de voir. Retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes, mais seulement des référendums. Mais... Maîtriser mon âme avec mes idées saugrenues, je fais briller le macadam. Que ceux qui sont perdus arrivent à retrouver la flamme. Qu'on puisse enfin s'épanouir, les yeux tournés vers l'avenir. Leur crise, y'en a ras-le-bol. Vivement, vivement que l'économie décolle. De voir un retour à l'essentiel. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je n'aurais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes. Je n'aurais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes. N'abuserais pas des hommes, mais seulement des référendums. Je n'abuserais pas des hommes, mais seulement des référendums. Des référendums. On va bien mourir à un moment. Celle-là, je l'aime bien, mais les accords... J'aime bien le texte, mais les accords que j'ai trouvés, ils sont chiants. Je sais pas, je les trouve chiants. T'as fini de t'énerver comme ça. Là, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Tu vois, j'avais l'air de réfléchir, bah non. Seulement si tu le partages.
visage. La douceur c'est garanti, est un calmant contre la rage. Une bonne dose d'amour, un grand bol de douceur. Tous le droit au bonheur, on a tous le droit au bonheur. C'est le moment un peu calme, tu vois. Soleil qui viennent percer la brume, la nature se réveille, un oiseau se frotte les plumes. Il déploie ses ailes, prêt à prendre son envol. Lève son bec vers le ciel, le voilà qui décolle. Un bel arbre se penche avec élégance, le vent caresse ses branches avec bienveillance. La beauté de la mer qui retrouve sa sérénité, un sentiment d'éphémère se noyant dans l'éternité. Je devrais mettre moins de mots dans mes textes, c'est fatigant. Le bonheur s'agrandit seulement si tu le partages. La douceur c'est garanti, est un calmant contre la rage. Une bonne dose d'amour, un grand bol de douceur. Tout ce droit au bonheur, on a tout ce droit au bonheur. Tout ce droit au bonheur. Seul assis dans les bois, le cul posé sur un caillou. Dans une foule aux abois armée avec des cailloux. Parfois tout s'emballe et on rêve d'une accalmie. D'un moment convivial ou d'une arbre d'or. Trop de mots. Bon, je réessaye. Seul assis dans les bois, le cul posé sur un caillou. Dans une foule aux abois armée avec des cailloux. Parfois tout s'emballe et on rêve d'une accalmie. D'un moment convivial ou du sourire d'un ami. On se cache dans un trou, se croyant dans une impasse. On tente le tout pour le tout en attendant que ça passe. En espérant que ça passe, on a tous besoin d'amour. Le bonheur c'est d'être en vie, c'est pas quand on sera mort qu'on profitera de la vie. C'est pas quand on sera mort qu'on profitera de la vie. C'est pas quand on sera mort, c'est pas quand on sera mort. Tout ce droit au bonheur. Paraître complotiste, mais... Y'a quelqu'un qui m'a dit que nos téléphones nous espionnent, mais a priori notre avis n'intéresse personne, il paraît que l'on nous écoute. Si seulement c'était vrai, y'a de quoi avoir des doutes, puisqu'il raconte à la télé, ouais. Quand la nuit on n'a pas sommeil et qu'on sort de chez soi, y'a quelqu'un qui nous surveille, caché derrière ses caméras. Sont-elles parfois en veille, a-t-on besoin de ça? Nos mobiles ont des oreilles et parfois des caméras. S'ils nous surveillaient avec tant de précision, ça ferait des années que les prisons seraient débordées au bord de l'explosion. Sinon c'est sûr qu'ils prendraient d'autres décisions. Si on est sous la surveillance de Big Brother, a-t-on vraiment une chance face aux ordinateurs et cette intelligence qu'on appelle artificielle? A-t-elle une conscience, est-elle virtuelle ou réelle? Cette intelligence qu'on appelle artificielle, hein.
A-t-elle une conscience? Est-elle virtuelle ou réelle? C'est une bonne question, ça. Y'a quelqu'un qui m'a dit que notre téléphone nous espionne. Y'a quelqu'un qui m'a dit que notre téléphone nous espionne, mais a priori notre avis n'intéresse personne, il paraît que l'on nous écoute. Si seulement c'était vrai, y'a de quoi avoir des doutes, puisqu'il raconte à la télé, ouais. Le bonheur vivant n'est pas ce à quoi on aspire. Toujours un truc à apprendre pour les défis à venir. Refusons de nous rendre, cultivons notre avenir. Construisons notre avenir. Une bonne éducation nous coûterait moins cher que la répression qui oblige à taper son frère. On la vit avec passion, aimons ceux qui nous sont chers. Avec un peu de compassion, on mettrait fin à la misère. Un peu de compression mettrait fin à la misère. Si quelqu'un nous écoute, pourvu que ça l'inspire, y'a de quoi avoir des doutes. Quelqu'un nous écoute, pourvu que ça l'inspire, y'a de quoi avoir des doutes, vu ce que les médias transpirent. L'écran du JT se floute et ils nous font croire au pire. Nous prennent pour des biloutes et mentent comme ils respirent. Et biloutes, ils mentent comme ils respirent. Ils nous font croire au pire. Y'a quelqu'un qui m'a dit, ouais, y'a quelqu'un qui m'a dit. Mais je crois qu'il est complotiste, hein, parce que non, ça m'étonnerait que mon téléphone m'écoute. S'il m'écoutait, il viendrait quand je l'appelle, non, merde. Quand je lui dirais où t'es, il me répondrait, non. Nos mobiles ont des oreilles et parfois des caméras. Y'a quelqu'un qui m'a dit que nos téléphones nous espionnent, mais a priori notre avis n'intéresse personne, paraît que l'on nous écoute. Si seulement c'était vrai, y'a de quoi avoir des doutes, ce qu'il raconte à la télé. Y'a de quoi avoir des doutes, ce qu'il raconte à la télé. Ouais, y'a quelqu'un qui m'a dit, oui, y'a quelqu'un qui m'a dit. Malheureusement, je ne sais plus qui. De toute façon, ça devait être un complotiste, je vais plus lui parler. Hein. De toute façon, c'était pas moi qui parlais, c'était lui. Alors, je vais plus l'écouter, c'est tout. Je dirais ouais, cause toujours. Oh, on n'était pas d'accord. Il est combien de minutes? Il est 48 minutes 10 et 20 secondes. De toute façon, j'ai bientôt fini mon cahier, on va pouvoir s'arrêter. Parce que moi, je commence à être fatigué. Déjà, travailler presque une heure d'affilée, pour un musicien, c'est beaucoup. J'ai un accident de micro. C'est les accords que je regarde. Non, celle-ci, les paroles, je les connais. Faut dire que c'est des paroles faciles. C'est une chanson de circonstance. S'il y en a qui ont peur du nouvel ordre mondial, moi j'ai pas peur du nouvel ordre mondial. Juste je préférerais que ce soit le mien. Quoiqu'en vrai je préférerais un grand désordre mondial, tu vois. Viens, on fait un grand désordre mondial. Non mais un vrai, tu vois. Genre les peuples ils arrêtent de se laisser faire, tu vois. Ils se disent viens on s'en bat les couilles, on fait des potagers. Viens, on répare les trucs qu'on a, on s'en bat les couilles. Ceux qui savent faire des trucs, on le fait. Travailler? Mais t'es fou, c'est quoi le travail? C'est la santé! Et ne rien faire, c'est la conserver. D'ailleurs, on va pas tarder à aller rien faire, parce que là... Hein. Bon, j'ai encore un ou deux trucs à leur dire. De toute façon, j'ai toujours un truc à dire, tu vois.
Ouais, tu me connais, enfin bah je me connais, bah, c'est le problème avec moi. Sois feignant, tu vivras longtemps. Sois feignant, tu vivras content. Qui c'est qui avait dit ça déjà? Je crois que c'est Dieu ou le prophète, je sais plus. Je vous dis votez pour moi, mais je me présente même pas. De toute façon, ça changerait quoi? Juste le roi du bla 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 bla. Votez pour moi, je crois. Plus aux élections, pourquoi me donner de la peine? Je rêve de révolution, à condition qu'elle soit humaine, devenir son meilleur ami. En transformant son cœur, même à mes pires ennemis, je souhaite de trouver le bonheur. Je les imagine en fesses, cachés derrière des murs, ils doivent serrer les fesses. Et ça doit être dur, ouais, je doute sérieusement qu'ils puissent dormir serein avec le sang des enfants qu'ils ont sur les mains, cachés derrière la picaille. Ils ont peur des représailles, qu'un jour il y ait une faille et qu'ils finissent sur la paille. Pour fuir la peur, ces canailles, fais-toi gaspiller, ripaille, s'appropriant nos victoires et notre force de travail. J'ai un truc à vous dire. Tu parlais de travail, moi je parle de force de travail, tu vois, c'est pas la même chose, toi. C'est pas parce que j'ai une force de travail que je suis obligé d'avoir un travail. J'ai un truc à vous dire, quand je serai dictateur du monde, j'interdirai d'interdire, à part deux, trois trucs qui montent comme ces foutues frontières, tracées sur ma map. Si on arrête de se laisser faire, y'a bien assez pour tout le monde. Qui me font confiance, c'est que t'es complètement fou, car je suis comme les rois de France. Complètement fou, t'es ceux qui me font confiance, c'est que t'es complètement fou, 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 complètement fou. On est tous complètement fou, 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 complètement fou. Le monde est complètement fou. Et tout le monde s'en fout. Franchement, ce serait une bonne idée, non? Je m'installe à Genève. J'aménage 2-3 chambres dans les anciens bureaux. Je pense qu'on aura moins besoin de bureaux, tu vois. Si on arrêtait les réunionnistes, tu vois. Ces gens-là qui nous gouvernent, tu vois, à part des réunions, je sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, tu vois. Je sais pas s'ils ont déjà torché le cul d'un vieux ou aidé un gamin à se moucher, tu vois. Filer à bouffer un SDF ou un truc utile, tu vois. Cultiver un potager, je sais pas. Planter des haricots, quoi. Aller travailler dans les champs de coton. Creuser des mines d'uranium. Recycler nos déchets à main nue. Moi, j'ai un programme pour les gouvernants. S'ils veulent, il y a des trucs à nettoyer à droite à gauche sur la planète. Il y a un peu de plastique à ramasser. Moi, je dis, on leur donne des petites épaules, des petites épithètes, on les fout dans l'océan, on leur dit, vas-y, ramasse le plastique, connard. J'ai un truc à vous dire, quand je serai dictateur du monde, j'interdirai d'interdire, à part de trois trucs qui montent comme ces foutues frontières tracées sur ma main. Si on arrête de se laisser faire,
y'a bien assez pour tout le monde. Sur ma map monde, y'a bien assez pour tout le monde. Sur ma map monde, y'a bien assez pour tout le monde. J'arrête de m'énerver comme ça. Non, parce que de toute façon, personne. Après, je transpire. Ça, on peut en parler. Tu crois qu'on peut en parler de ça? On peut leur dire que mon rêve, si je devais me réincarner. Hein, tu sais ce que j'aimerais être si je devais me réincarner? Pour atteindre le sommet, il faut gravir la montagne. La planète est en danger, il serait temps qu'on se mine. Envoyer ses privilégiés faire une visite au bal. Extrémiste modéré, je me bats pour que la paix gagne. Extrémiste modéré, je me bats pour que la paix gagne. J'ai beau être premier, je serai toujours en campagne. On va être obligé d'arrêter, j'ai cassé une corde. Mais c'est pas grave, je suis un punk, je peux faire quand même cette chanson avec une corde en moins, c'est celle de mi, elle me sert jamais. Ouais, c'est la plus petite, je sais pas à quoi elle sert. Ils ont mis 6 cordes sur la guitare, mais 5 auraient suffi. Celle-ci, elle sert jamais, à part à faire mal aux petits doigts des fois. Ah ouais. D'accord. Premier, je serai toujours en campagne pour atteindre le sommet. Il faut gravir la montagne. Si je dois me réincarner, je veux être une femme noire. Je monterai une armée pour prendre le pouvoir avec l'amour comme épée, la paix comme étendard. Histoire de faire un pied né à cette bande de babysards. Ça leur ferait les pieds tousser dans leur cigare. Fini les prostituées, le pinard et le caviar. Si le monde est énervé, c'est qu'il a perdu l'espoir. Si le peuple est énervé, c'est qu'il a perdu l'espoir. Ils se sont manipulés, l'homme a à tout croire. Est-ce que vraiment tout est vrai? Dans leur livre d'histoire, si je dois me réincarner, je veux être une femme noire. J'ai beau être premier, je serai toujours en campagne pour atteindre le sommet. Il faut gravir la montagne, la planète est en danger. Serait temps qu'on se mine, envoyer ses privilégiés faire une visite au ban, extrémiste modéré, je me bats pour que la paix gagne. Extrémiste modéré, je me bats pour que la paix gagne. Premier, je serai toujours en campagne. Réincarner, je veux être une femme noire. Si je dois me réincarner, je veux être une femme noire. J'ai beau être premier, je serai toujours en campagne. Pour atteindre le sommet, il faut gravir la montagne. La planète est en danger, il serait temps qu'on se mane. Envoyer ses privilégiés, faire une visite au bagne. Extrémiste modéré, je me bats pour que la paix gagne. J'ai beau être premier, je serai toujours en campagne. Toujours en campagne, je serai toujours en campagne. Toujours en campagne, je serai toujours en campagne. Toujours en campagne, je serai toujours en campagne. Toujours en campagne.
Laissez-moi sortir et retrouver mes amis. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Laissez-moi. Des années qu'on nous prépare à grands coups de propagande, qu'on nous raconte des histoires, des contes et des légendes. Je n'ai pas plus d'espoir, et comme une conne, elle en redemande. Je n'ai jamais cru au pouvoir, des punitions et des amendes. Longtemps que j'ai du mal à croire ce que les médias nous vendent, je ne suis pas prêt de m'asseoir. Hors de question que je me rende ce que les médias nous vendent. Il va falloir qu'ils ce que les banquiers nous volent, il va falloir qu'ils nous le rendent avant que la foule devienne folle. Ce serait dommage qu'on les pende. Moi j'ai aussi une dent contre les médias, mais les médias ne nous volent rien à part du temps de cerveau. Laissez-moi sortir, retrouver mes amis. Je sais bien que je vais mourir, mais je ne veux pas mourir. Ma gueule, que je suis un égoïste, je ne veux pas mourir seul. La solitude c'est trop triste. Donc quelquefois par hasard, je croise une télévision. Je me crois dans un cauchemar, comme si j'avais des visions. Je me dis que c'est impossible qu'on soit devenu aussi con là. Programme me semble rime, y'a pourtant du monde au balcon, c'est un spectacle de guignol. Sauf qu'ils se prennent au sérieux, chauffeur dans la bagnole et une prostituée dans leur vieux. Ils se moquent et rigolent, se croyant les maîtres du jeu. Mais si la foule devient folle, ils finiront au bout d'un pieu. Des saisons, je verrai quand j'en serai là. Qui avait vraiment raison? En attendant, on est là, enfermé dans nos maisons. Et si je ne sors pas de là, je vais perdre la raison. Je n'ai pas peur de la mort, encore moins des épidémies. Je préfère penser à l'amour que je partage avec mes amis. Si y'a un truc à savoir, c'est que l'amour est universel, c'est le plus grand des pouvoirs. La vie éternelle. S'il y a un truc à savoir, c'est que l'amour est universel. C'est le plus grand des pouvoirs. Ils ont la vie éternelle. C'est moi sortir. Et c'est moi sortir et retrouver mes amis. Je sais bien que je vais mourir, mais je ne veux pas mourir d'ennui. Peut-être que je ne pense qu'à ma gueule. Je ne peux pas mourir seul. La solitude c'est trop triste. C'est nous sortir et retrouver nos amis. Vu qu'on sait qu'on va tous mourir, on veut profiter de la vie. C'est nous sortir et retrouver nos amis. Vu qu'on sait qu'on va tous mourir, on veut profiter de la vie. C'est la dernière chanson. Après, c'est la pause. Ah bah, pile, parce qu'on est à 60 minutes. Et un album, ça peut pas dépasser 70 minutes. Ah bah, on s'en fout, je le mettrai que sur Internet. Alors, on s'en bat les couilles, en fait. Mais de toute façon, c'est la dernière chanson, donc on s'en bat les couilles doublement. Vous avez pas fini de vous en battre les couilles? C'est un peu vulgaire, monsieur. Je m'en fous, j'ai une guitare à 5 cordes. Aucun rapport.
Un spécial dédicace à ma femme. Parce qu'elle est bien bonne. Elle est bien bonne, ma femme. Ah, ma femme, elle est bonne. Avant, avant, je voulais être président, mais depuis quelque temps, j'ai changé mes plans. Si j'ai de l'ambition, c'est surtout pour ma femme, pour faire baisser la tension. On fera du vélo dans Paname, je serai un mari modèle, en m'occupant des enfants, je lui dirai qu'elle est belle. Elle avait 30 ans, je la prendrai par la main, disant qu'elle est formidable. Au fond de moi, je sais bien de quoi elle est capable. Celle qui porte la culotte, c'est parfait pour les garçons. Soit je suis con comme une carotte, soit j'ai pas compris la question. Peu importe que l'on nous chambre, à savoir qui est le patron quand on est dans notre chambre. J'ai déjà enlevé mon cachon, j'aimerais voir juste pour voir le pouvoir d'une femme au pouvoir. Ça ne changerait peut-être rien, mais ça nous ferait du bien. Pareil qu'elles font le ménage, y'en a besoin en politique. Ces papilles à notre âge ne sont que des pompes à riz. J'aurai ma place à l'Elysée, pas besoin de me déguiser. Je pourrais rester moi-même en lui disant que je l'aime, qu'elle fait un boulot formidable dont je me sens pas capable. Et si la France va pas mieux, au moins je ne serai pas responsable. Les premiers rangs de France, ce serait la classe. Et sérieusement j'y pense. Oui oui, je suis féministe. Non, ma femme n'est pas chante. Et je dirai aux journalistes quand elle sera présidente. Je vais voir dans ma classe. Moi, les premiers rangs de France, ce serait la classe. Sérieusement j'y pense. Oui, je suis féministe. Non, ma femme n'est pas chante. Et je dirai aux journalistes quand elle sera présidente. Dans ma classe, moi les premiers hommes de France, serait la classe, sérieusement j'y pense. Oui, je suis féministe, mais ma femme elle est pas chante. Je dirai aux journalistes quand elle sera présidente. Tu crois qu'on peut finir un album comme ça? On s'en fout en fait. Maintenant qu'on est dans le futur, on fait ce qu'on veut. C'est l'avantage du futur. Non, elle était chancelière. Non, non, pas du tout. C'est Premier ministre, en fait. Sauf que leur président, il n'a aucun pouvoir. Puisque c'est un système beaucoup plus parlementaire que le nôtre. Ouais, mais pas tout à fait, quand même. Parce qu'elle est virable. Et elle a pu rester 16 ans, comme dans n'importe quelle dictature. Alors que nous, c'est limité à 10 ans, tu vois. Macron, il sait qu'il peut faire de la merde pendant 5 ans. Il peut pas se représenter.